Mobilisation du mouvement Yerewolo debout sur les remparts à son siège assis à Bolibana. Un appel lancé dans le cadre de l'organisation des meetings de soutien au FAMA. Meeting prévu ce vendredi 13 mai sur le boulevard de l'Indépendance. Compte rendu avec Valentin Roger Diallo. Rester debout sur les remparts et continuer à faire bloc derrière les FAMA, c'est la détermination sans faille du mouvement Yerewolo. Les membres et sympathisants sont d'ailleurs réunis pour appeler la population à sortir massivement ce vendredi 13 mai sur le boulevard de l'Indépendance. Les médias internationaux, des puissances internationales s'adonnent à des calomnies, à des mensonges, à des manipulations, à des accusations graves contre cette armée qui est en train de réussir en quelques mois. C'est que certaines puissances complices ont échoué pendant des années. Donc c'est pourquoi nous devons sortir pour montrer que nous constituons une base très solide comme stipulé notre sacrée devise « Un peuple, un but, une foi » derrière notre vaillante armée jusqu'à la victoire finale. Le mouvement appelle également les autorités à rester dans la dynamique de refondation de l'État. Yerewolo, debout sur les remparts, est prêt à les accompagner jusqu'au bout. Nous saluons le leadership vigilant et éclairé du président libérateur Assimi Goïta et dire que nous sommes un peuple résistant, nous sommes un peuple debout après 4 mois d'embargo. Nous allons continuer à rester debout sur les remparts jusqu'à la victoire finale. Après cette mobilisation, les responsables entameront une tournée à l'intérieur du pays et dans certains pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso et le Niger. L'objectif est de continuer à dire non à la politique française en Afrique.